Allez, go! RLS69RC, bienvenue mes amis sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle fois, un nouveau départ avec cette petite beauté. C'est parti pour la deuxième séance de vol avec ce Twin Timber après un magnifique maiden flight en cette fin de journée après le boulot. Ça va me faire du bien. Je n'ai pas trouvé d'autres spots de vol que l'habituel. J'avais envie de changer un petit peu. Il y avait des cultures partout. Sinon, je reviens donc à mes premiers amours, premier spot où j'ai appris à voler. Bonjour. Oh là là, j'aurais pas dû vous regarder. Et voilà ce qui arrive, messieurs, dames, lorsqu'on est distrait comme Airless. C'est n'importe quoi. Quelle idée de se retourner juste parce qu'on entend un petit bruit. Il faut que je vous avoue quand même que je craignais de la présence jusqu'à ce que je m'envole parce que je voulais être tranquille avec mon avion. Et évidemment, j'ai eu peur lorsque j'ai entendu ce jeune homme qui pourtant se voulait très discret, je le sais. Voilà, bon bah tant pis. On le voit pas sur l'image, mais j'ai le coin d'une aile qui s'est cassé. Un stabilo, un élévateur qui s'est bien tordu et le train d'atterrissage qui a bien morflé, ça sera vite réparé. Du coup, autant vous dire que heureusement que c'est pas une jolie nana avec qui c'est arrivé, car j'aurais eu l'air encore plus faible. Bref, c'était un gentil jeune homme qui ne voulait faire autre chose que d'être discret. Et donc, désolé encore pour lui si je lui ai fait une frayeur, mais je pense qu'il n'en a rien à foutre. Et du coup, tant pis pour moi, j'avais un avion sur les bras à réparer pour rien. J'ai dû patienter, attendre que ça sèche et me résigner à retourner au spot de vol habituel. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et un pouce en l'air si vous kiffez. C'est parti. Go! Et c'est donc avec une 4000 mAh de chez Spectrum que nous repartons. Bon, c'est vraiment pas amusant avec la 4000. Pour beaucoup plus d'amusement, la 3200. C'est plus léger, même si le temps de vol est plus court. On fait un atterrissage, si possible, sur la route. Parce que là, le champ, il craint un peu, je trouve. Donc j'ai quasiment aucune assistance et ça va vraiment très bien. Hein. Légère réaction du stabilisateur quand on bouge l'avion. Aïe, c'est ce qu'il faudrait éviter. Bien. Alors, premier vol de cette soirée. Je vous précise qu'il est 8h30 passé. On
va switcher sur une 3200 mAh, messieurs, dames. Vous voyez là, avec ce système de dérive sur les hélices, l'avion se laisse pas faire. Faudrait que je désactive la S3X complètement pour voir, mais je pense pas, parce que c'est un réglage d'usine. Et c'est fait exprès, parce que c'est normalement ainsi qu'on fait travailler un bimoteur, à ma connaissance. Mais moi, j'aime pas ça. 2 minutes 25 qui me restait. Hein. Donc j'ai volé durant 2 minutes, puisque ma minuterie est réglée à 4 minutes 30. On peut, pour le plaisir, vite fait checker ce que j'ai consommé, sachant que je suis parti à 72% avec cette LiPo 4000 mAh de chez Spectrum. Voilà. Donc j'ai consommé à peu près 30% en 2 minutes. Sachant que l'avion a fait des efforts et que la 4000 mAh est lourde. Hein, donc il y a eu une bonne consommation quand même. Là. Je vais avancer cet accu 3200 mAh au maximum parce qu'il est léger. En revanche, je viens de constater que la 4000 mAh, elle, devrait être placée plus en arrière. Donc sachez-le, si vous avez une 4000 mAh, l'avion n'était pas trop lourd du nez, mais visiblement, quand vous roulez, il lève du cul assez facilement. Donc c'est bien parce qu'il faut qu'il décolle avec le cul levé. Mais il faudrait pas non plus qu'on en arrive à ce qu'il culbute en avant. Je suis à 67% sur celle-ci. Donc je vais pas faire le fou. J'ai ma minuterie à 4 minutes 30. Je pense que je peux me permettre au moins 4 minutes de vol. Ouais, c'est déjà vachement plus léger. L'avion tourne à droite de façon naturelle. C'est pas bon. Bien, c'est reparti donc pour ce deuxième vol de cette seconde session depuis que nous avons acquis ce bel oiseau. Et donc suite à cet accident vraiment bête. Thank you.
Quand on va faire un petit atterrissage dans les champs pour voir, parce que ça doit quand même pouvoir le faire, non? Avec un redécollage peut-être un peu immédiat. Ouf! Ça, je le sentais venir. Alors, juste avant la clôture, c'est vraiment pas intelligent. Ça, c'est du airless tout craché. Ouais, je vais éviter de cracher sur ma bagnole. Enfin, pas moi, mais l'avion. Oh, il y a un gros avion de ligne qui passe, j'ai envie de le regarder. Il douce bâtard. Putain. Allez, je vais le rejoindre. Il n'y a pas moyen, faut que je le rejoigne. Allez, au revoir mon petit avion chéri. Va rejoindre le grand-père là-haut. Oh non, c'est trop loin. Allez. Petite descente bien violente. Bon messieurs dames, on va arrêter de faire les cons, j'ai bien réparé mon avion, je suis content. 3200 mAh. Je pense que j'ai bientôt plus de jus dans le réservoir. Messieurs dames, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette courte séance de test après crash de ce magnifique Twin Timber de chez E-Flight Horizon Hobby. Je m'assure qu'il n'y ait personne derrière. Désolé. Voilà. Allez, je me mi-flap cette fois. Voilà, du coup, je chute un peu plus vite. Voilà. Ouais, super. Ça, c'est des atterrissages à la airless. Bien, messieurs, dames, un grand merci encore pour votre participation. Il fait magnifique. Il y a à peu près 21h maintenant. Nous sommes le 5 juillet. Le ciel n'est pas estival, mais c'est déjà mieux que rien. Et on peut se contenter d'avoir fait un vol en pleine semaine, comme il se doit. À bientôt, messieurs, dames. Un grand merci. À bientôt.